blog couture avec des mèches réutilisées. Elf time, we will use the wigs. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ma maison de partage. Hello, my lovely friend. Welcome to my home of sharing. Bonjour, bienvenue. Nous sommes Elie. Là, mon nom est Yabo Kabouli. J'espère que vous allez bien. Voilà, donc comment faire des nattes coulées soi-même. Donc aujourd'hui, je suis en train de réutiliser des mèches. C'est la troisième ou la quatrième fois que j'utilise ces mèches. Je les réutilise pour pouvoir faire mes nattes coulées. Donc voilà, donc je voudrais partager avec vous comment je procède. Voilà, donc vous voyez comment je suis en train de tracer pour pouvoir séparer les tresses et les cheveux et pour pouvoir les natter ensuite après. I hope you are fine, my friend. You are sharing how I how to color my own hair with reused wigs. It's very easy for me. Don't forget to subscribe to my channel, my friend. I'm waiting for you. Subscribe and share. It's very, very important. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche notification pour ne rien rater de tout ce que je poste. Dans beaucoup de Donc voilà, j'utilise cette huile pour pouvoir faire de sorte que ces mèches que je réutilise deviennent lisses. Voilà. Et très facile à manipuler pour ne pas que j'ai des mousses sur les cheveux après. For my hairstyle, I use macadamia oil, almond oil, and also carrot oil. I use its oil made expressly to soften the hair and not create knots in the braid. Je tiens à noter que j'utilise ces huiles faites expressément pour adoucir les cheveux et ne pas créer des nœuds sur les tresses. Je pense que ce flop peut interpeller quelqu'un qui est doué pour faire des tresses, hein, et pour pouvoir se lancer dans son business. Donc voilà, le business des tresses à domicile. Hein. Donc vous êtes doué, lancez-vous, suivez votre rêve, quoi. Donc voilà, c'est aussi une manière pour moi de pouvoir partager, de pouvoir vous dire, vous foncez si vous avez ce don-là, de pouvoir le faire. Si vous avez le temps, si vous voulez vraiment vous consacrer sur ça. Moi ici, je vous montre, c'est une passion pour moi de pouvoir me tresser toute seule, pour moi. Donc voilà, donc je suis vraiment heureuse, très très contente de pouvoir le partager avec vous gratuitement. Donc pour ma part, je prends une fine partie de mes cheveux à tresser et je croise au fur et à mesure et j'avance ou encore je recule au fur et à mesure. Donc voilà, c'est très facile à faire. Vu que j'ai l'habitude de le faire à chaque fois, donc c'est très facile pour moi de pouvoir le réaliser si facile. In this vlog, I think this vlog can push someone to start the home braid business. If the person is good and feel ready for it, do not hesitate if you have this talent. For me, it's a passion to share for free. Voilà, ici je rajoute des mèches nattées à part à l'aide d'une aiguille et du fil noir sur ma coiffure. C'est délicat, ça demande de la concentration, du savoir-faire. Ici je me sers de deux miroirs devant et derrière pour pouvoir me guider facilement. Ce
So my lovely friend had a wig separated separately using a needle and black thread on my eyes still. That's delicate, it requires concentration. Now I use the four tool mirrors in front and behind. Je vais vous montrer un c'est très facile à réaliser, mais c'est avec la patience, la persévérance qu'on peut y arriver. Donc voilà, je signale que c'est vraiment avec la patience qu'on peut faire quelque chose sur sa tête. Voilà, c'est différent de quand je stresse quelqu'un d'autre. Voilà, et quand je me tresse moi-même, c'est très différent. Ça prend plus de temps quand je me tresse tout seul, parce que c'est délicat, je n'ai pas les yeux derrière pour pouvoir tracer correctement. Mais je me débrouille pas mal sur ma propre tête. Et quand je fais sur les autres, c'est plus facile à pouvoir réaliser les tresses. Like I say in French, my friend, it's not easy to corner my arm hair. So it's require concentration now. How it's not easy, my friend. It's easy to do it in another person, but it's not easy to do it myself on my hairstyle myself, like I said. Voilà, donc c'est pas facile, mais on s'en sort. Je m'en sors pas mal. Donc voilà, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous ce petit vlog avec. I'm very, very happy to share with you, my lovely friend. This is my new hairstyle. This is the result. My eyes are great. African tutorial. It's very nice, wonderful. I love it. I like it. Je suis heureuse de pouvoir partager le résultat avec vous. Voilà. J'étais ravie et très heureuse de pouvoir le partager avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.